On a vu émerger des objets de captation, la GoPro, qui n'était pas si nouveau, c'est aussi son prix hein, qui a fait, et sa solidité qui a fait la renommée de la GoPro. Des gens se sont mis à les assembler, à en assembler plusieurs. Je ne sais pas combien il en faut pour capter ce monde, par exemple. Et puis, il y a une caméra qui a été initiée par Google qui s'appelle la Jump Camera Rig, qui est liée à cette volonté de capturer le monde avec cette unité de temps dans tous les axes de la pièce, qui est tout à fait bluffant. Là, j'ai essayé avec d'autres applications récemment. Donc là, il va y avoir, j'imagine, quantité de solutions qui vont être offertes, de certaines comme l'assemblage de GoPro à des coûts minimes, et d'autres, on peut imaginer, des coûts beaucoup plus importants, ayant pour objectif, comme ça, d'immerger le spectateur dans un réel qui était un autre jour. En fait, avec 6 GoPro, tu peux arriver à capter un petit peu tout ce qui se passe tout autour. Donc, ça te permet d'offrir une expérience où tu auras l'impression d'être dans une sphère. Et avec la sphère, tu vas pouvoir vraiment, comme dans Street View, en fait. Sachant que Street View, je crois que c'est 9, j'avais entendu à l'époque, c'était 9 eyes, 9 yeux, mais on est en photo, tandis que là, on est en vidéo. Ce Alors, qui complique un là, petit peu là, les c'est de la coutures. vidéo, Oui. ce qui du coup offre tout ce qu'offre la vidéo. Mais le projet Jump dont tu parlais, donc il n'y en a pas 6, il y en a 16. Donc il s'agit de 16 GoPro qui sont sur un cercle. Et il y a un algorithme qui permet d'extraire le relief. Et donc ça permet vraiment d'avoir non pas la sensation d'être dans une sphère comme dans Street View. C'est pas seulement on regarde Hey. partout, c'est vraiment ça reconstitue la fameuse image pour l'œil droit et l'image pour l'œil gauche qui te permet d'avoir cette sensation de relief. Et ce n'est pas juste un petit détail en plus. C'est-à-dire qu'au cinéma, la 3D, c'est souvent vu comme un gadget, et les trois quarts du temps, ça en est un. Ça, la valeur de la 3D dans une salle de cinéma est vraiment très, très, très marginale. Par contre, quand on parle de 3D dans un masque de réalité virtuelle, ce n'est pas du tout la même chose, parce que ça permet de restituer des objets de façon très maîtrisée par rapport à la distance de la personne qui les regarde. C'est-à-dire que si là on avait une caméra jump posée à côté de nous, la personne qui ferait l'expérience de la vidéo aurait vraiment la sensation d'être assis à côté de nous, entendrait le son aussi de la bonne façon, ce qui fait que la sensation de présence serait vraiment là, et c'est ça. Donc la 3D dans la réalité virtuelle permet vraiment de franchir quelque chose de très très qualitatif et permet de ressentir notamment quand c'est des personnes qui sont autour de nous avec beaucoup de présence, avec beaucoup de réalisme. Ça, on reviendra à cette question de la présence qui est, à mon avis, vraiment la question essentielle concernant la réalité virtuelle. Et je comprends tout à fait quand tu dis que au cinéma, la 3D, c'est souvent un gadget. Peut-être, sauf quand ça fait partie du scénario, je pense à Avatar notamment, où là elle s'impose, mais autrement que pour uniquement la vision. Si on pensait œuvre totale, comme quelques artistes y ont pensé, à l'époque justement il y avait Chagall tout à l'heure ici, on pourrait imaginer aussi une dimension sonore qui vienne accompagner, qui vienne renforcer. Aujourd'hui, les casques sont plus essentiellement visuels. Le son est souvent d'ailleurs arrive après, même au cinéma quand on le fait en post-prod. Il n'y a pas encore une présence du son très importante sur ces questions de réalité virtuelle. Si aujourd'hui, tout le monde admet que le son est important et la spatialisation sonore, c'est des techniques qui sont finalement assez bien connues, mais que la réalité virtuelle, s'empare. Parce que c'est certain que le réalisme vient aussi du son. Et le son spatialisé est quelque chose qui permet aussi de guider un petit peu le regard. Et ça fait. Donc, ce nouveau média, il y a des nouveaux enjeux aussi. Un journaliste qui poserait la caméra ici, comme on l'a dit, n'a pas la possibilité de faire du montage et de guider le regard pour dire, tiens, il faut regarder lui, après, il faut regarder lui. Et quelqu'un qui va s'immerger à cet endroit-là, peut-être qu'il va prendre des lunettes et il va regarder le mur. Simplement, à un moment, il va entendre que derrière lui, il y a deux personnes qui parlent, et c'est ça qui va lui donner envie de se tourner et de regarder les échanges. Donc le son, exactement comme dans la réalité, le son spatialisé joue le rôle de situer un petit peu une personne dans son espace et de lui donner des indices sur ce qui se passe en dehors du champ de vision.
Donc c'est quelque chose, quand on va commencer à faire des narrations et vouloir raconter des histoires, et d'aider le spectateur à regarder ce qui a du sens, le son a vraiment un rôle clé à jouer pour ça. D'ailleurs, quand nous parlions encore de son ensemble, et tu es venu à l'EPSA parler à nos étudiants, on avait fait écouter à quelques étudiants au casque le son du coiffeur. Son binaural, oui. Et pour le son binaural, qui est le coiffeur, étant évidemment le moment où on a quelqu'un qui tourne autour de nous. Voilà. Et qui peut attirer notre attention ici ou là. Ça procure des sensations très très fortes. Ouais. Très fortes. Alors après, peut-être aussi on peut continuer dans l'idée de refaire le monde au plus près de celui qu'on connaît. Qu'est-ce qui manquerait s'il y avait l'image et s'il y avait le son, éventuellement l'odeur? Est-ce qu'on peut, il y a des synthétiseurs d'odeurs aujourd'hui, des oui. odeurs que l'on peut recréer aussi à distance. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut jouer un rôle important dans le fait de recréer des univers ou qui est plus gadget? Pour l'instant, je crois qu'il y a des films avec des odeurs, ça existe. Ou on gratte. J'en ai pas vu qui soit réellement convaincant, donc je pense que c'est bluffer le nez sera probablement plus difficile que de bluffer les yeux, où ça on commence à y arriver. Bluffer les yeux et les oreilles, la technologie arrive à ce niveau-là. L'odorat et le goût, je pense que les chefs cuisiniers ont encore... savent que c'est plein difficile. D'avenir, oui. Eux, ils ne seront pas remplacés par de la technologie avant un bout de temps. La réalité augmentée, c'est un terme qu'on a vu arriver après l'idée de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on peut considérer que ce sont des champs véritablement séparés. Si tu peux dire deux mots d'ailleurs sur ce qu'est la réalité augmentée selon toi, qui va au-delà du QR code que l'on scanne pour aller sur le site d'un pain d'épices. Est-ce que tu peux dire deux mots sur la réalité augmentée et sur le fait que peut-être un jour, on peut avoir ces deux champs s'assembler? Alors, il y a beaucoup de technologies communes. D'un point de vue technologique, c'est assez proche. Après, d'un point de vue usage, ça reste très différent. Souvent, quand on parle de réalité augmentée aujourd'hui, classiquement, on parle d'une expérience avec son téléphone ou avec sa tablette où on va regarder un objet au travers de la tablette. Et l'idée, c'est que la tablette va filmer un objet, par exemple un échiquier vide, et le logiciel va rajouter sur l'échiquier vide des pièces d'échecs. Et du coup, on va pouvoir, par exemple, jouer aux échecs contre quelqu'un qui serait ailleurs, dans une autre pièce ou ailleurs sur la planète, aux échecs, alors que l'échiquier n'a pas forcément 100 pièces réelles. Donc, on augmente un échiquier vide de pièces virtuelles. C'est pour ça qu'en termes d'usage, c'est quand même très, très différent, puisque là, il y a toujours la réalité quelque part. Il s'agit d'ancrer dans cette réalité, de rajouter des informations. C'est en train de prendre une nouvelle forme, la réalité augmentée, et justement, en se rapprochant de la réalité virtuelle, c'est à partir du moment où on peut non pas avoir à porter une tablette, mais où on peut avoir quelque chose sur le visage qui peut augmenter le monde totalement, là, ça ouvre des possibilités quasi infinies où en regardant un frigo, on voit la température qu'il y a à l'intérieur. En regardant le pneu de sa voiture, on connaît la pression. Vu que tous les objets sont connectés petit à petit, on peut avoir accès aux données numériques en regardant dans la direction d'un objet réel. C'est un peu la promesse sur le long terme de la réalité augmentée. C'est l'idée aussi des Google Glass qui sont été dédiés à cette question de l'augmentation du réel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, avec le cardboard, comme avec beaucoup d'applications de réalité augmentée aujourd'hui, ce qui est au centre, c'est nos téléphones. Ce sont nos téléphones et ou tablettes, quoi. Sachant que le cardboard, c'est plus essentiellement téléphone et pas tablette, pour des questions de taille d'ailleurs. Pour des questions de taille, oui. Et de d'espacement entre les yeux. Oui. Alors, tout à l'heure, une question à laquelle tu as partiellement répondu tout à l'heure, mais je pense qu'on peut développer un tout petit peu sur l'idée que, selon toi, la réalité virtuelle aujourd'hui, est-ce que, avec sa part technologique, est-ce que c'est une technologie, un média, un nouveau média? Est-ce que c'est un peu des deux? Quel est son devenir technologique, son devenir média, selon toi? Déjà, s'il y a de la technologie, forcément, c'est une technologie. Mais le fait de la voir comme un média, je pense que c'est ce qui c'est une bonne façon de voir les choses et c'est peut-être ce qui permet de comprendre ce qui va se passer un petit peu dans le futur. Et alors, par exemple, les expériences qui m'ont intéressé récemment,
Il y a Spike Jonze qui a fait un documentaire sur une manifestation à New York. Et à titre personnel, moi, ça m'a un peu ouvert les yeux sur, sur ce que la réalité virtuelle pouvait offrir. Donc le journalisme aurait intérêt, mais s'en part déjà, il y a énormément de journalistes qui ont commencé ça, à utiliser la réalité virtuelle. Alors un des points clés, il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, c'est le mot empathie. Parce que la réalité virtuelle, on a vu que ça pouvait rendre les gens malades, éventuellement si c'était mal fait, etc. Ce qui n'est pas forcément une sensation qu'on a envie de véhiculer à travers un média. Ça peut faire peur aussi. On a parlé de films d'horreur ou de choses comme ça. C'est quelque chose, on peut véhiculer de la terreur avec la réalité virtuelle à un degré bien supérieur que le cinéma peut faire. Mais un des points clés, c'est que la notion d'empathie, c'est aussi quelque chose qu'on peut véhiculer avec la réalité virtuelle. Le fait de voir une personne à l'échelle, d'avoir la sensation qu'une personne est proche de soi, ça permet de faire passer des émotions qui ne sont pas du tout celles qu'on peut avoir quand on regarde un écran, une vidéo sur un téléphone portable. Donc pour un journaliste, ça offre une possibilité de faire passer plus de choses. Et au-delà de ça, il y a aussi la gestion du temps, la gestion du montage. C'est-à-dire qu'un documentaire sur une catastrophe sur un téléphone, ça va durer peut-être 20 secondes. Il va y avoir breaking news, quelqu'un qui parle et qui dit c'est terrible. Ensuite, on va voir l'image d'une maison dévastée. Et ensuite, un plan sur quelqu'un de blessé, par exemple. De nouveau, une image sur une maison dévastée. Et puis le journaliste qui dit c'est vraiment terrible. Et en 20 secondes, on a bouclé l'affaire et on l'a oublié aussi au moment où on l'a vu quasiment. Alors que si on vit une expérience de réalité virtuelle, ou juste c'est une caméra qui est posée dans une ville qui a été dévastée par un tremblement de terre, avec la liberté d'être immergé la durée qu'on le souhaite, la liberté de regarder de partout, on n'aura pas quelque chose d'aussi caricatural, mais on verra peut-être des choses différentes. Donc on aura plus au final la sensation de ce qui se passe vraiment. On aura moins la sensation de se faire manipuler aussi, parce que personne n'est là pour diriger notre regard.